Mohamed Ajaha, je suis le directeur de la société Sonofet. Alors la société Sonofet, c'est une société basée sur Tanger qui a démarré son activité en 2004 avec une activité basique qui était la fabrication des sachets pour la grande distribution. En 2010, la société s'est orientée vers une activité plus technique qui est la fabrication des sachets et films d'emballage destinés pour l'industrie automobile et aéronautique. Par la suite, on a profité de notre positionnement dans le secteur automobile pour développer d'autres activités. La première était l'injection plastique en 2015. Et puis en 2016, on a démarré l'activité de l'injection des grommettes et des pièces en caoutchouc destinées pour l'automobile. Actuellement, le groupe est basé sur 3 sites de production avec une superficie totale de 10 000 m². La première activité, c'est la fabrication des produits d'emballage destinés pour l'industrie automobile et aéronautique, dont le procédé est l'extrusion du film ainsi que la découpe et la mise en forme selon des spécifications bien déterminées du client. En 2015, nous avons bénéficié du programme TIES dans le cadre du développement du projet de fabrication des grommettes et des pièces en caoutchouc destinées pour l'automobile avec Maroc PME. En 2016, nous avons bénéficié également du programme de reconversion avec la loi de l'interdiction des sachets en plastique pour un projet de développement et de fabrication du film technique à grande valeur ajoutée pour des utilisations bien spécifiques.